Salut à tous, c'est Shurika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super bien. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Donc on se retrouve pour l'épisode 2.1, on arrive chez les Vikings, je vais avoir le Hersir comme personnage. Je tiens également à m'excuser parce que j'ai eu un petit problème d'enregistrement, donc je suis obligé de te faire le commentary par-dessus, je suis obligé de reprendre cette vidéo à zéro. Donc le jeu est déjà fait, mais j'ai plus le son. Enfin, le son c'est enregistré, t'entends un mot sur deux, il manque la moitié du son de la vidéo. Donc je suis obligé de te remettre ma voix dessus et je tiens vraiment à m'en excuser. Et franchement, je suis totalement dégoûté parce que j'avais fait pas mal d'épisodes ce jour-là. Et si le son est merde comme ça, ça fait vraiment chier parce que c'est du travail pour rien. Donc là, tu vois, je suis obligé de reparler sur cette vidéo et c'était pas le but recherché. Un an depuis l'attaque d'Apollyon. Depuis la famine. Les pires d'entre nous s'en sont pris aux leurs, comme des bêtes. Ils s'engraissaient sur le calvaire des siens. Ragnar était de cela. Festoyons ! Et donc, je suis descendu des montagnes. J'ai rejoint la Grande Horde. Et nous avons pris les mesures nécessaires. Nous étions venus régler le problème des nuisibles. Je reste toujours bouche bée par rapport à ces putains de scènes juste avant. On dirait carrément tu rentres dans un film, dans un dessin animé. C'est un truc de malade. Alors là, je me retrouve avec le Hersir. C'est vraiment un personnage que j'ai, que j'apprends à jouer. Donc ne m'en tiens pas à rigueur si tu vois que j'ai du mal. C'est vraiment très compliqué pour moi de jouer avec ce genre de personnage, surtout la hache. J'ai du mal par rapport à l'épée. L'épée, je m'en sors un petit peu mieux. Et en me souvenant de ce qui s'est passé, tu vois vraiment que j'ai un petit peu galéré. Au début, tu vois, je tournais pas mal en rond. Enfin, je te laisse voir par toi-même. Excuse-moi pour le commentary que je suis obligé de rajouter par-dessus. C'est vraiment pas le but recherché. J'espère que les prochaines vidéos, je ne devrai pas reparler dessus, que ça sera déjà enregistré naturellement et que j'aurai juste à faire les cuts quand je devrais faire les cuts. Le portail. Brûlons-le. Alors là, tu dois brûler les portails, tu vois, t'as la petite potion là. Et franchement, cette potion te sauve la vie. Enfin, tu comprendras par la suite de la vidéo pourquoi je te dis ça. Je tiens également à vous préciser que je viens de créer des comptes pour Instagram, pour Snapchat, juste pour vous. Ça sera juste pour la communauté, si vous avez envie d'envoyer une photo, si vous avez envie de me parler en privé autre que sur YouTube, parce que c'est sûr que sur YouTube tu peux pas dire ce que tu ressens vraiment. Là, si tu as envie de parler avec moi, après je vais pas dire que je vais répondre à tout le monde. Mais j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. J'ai vraiment envie de développer cette chaîne au maximum. Et s'il y a des petits youtubeurs qui ont besoin de conseils, en fait, je vais être là. Je vais être présent pour vous. Je vais vous donner les conseils en temps réel sur ce que j'éprouve
par rapport à votre vidéo. Et si ça peut me permettre de vraiment aider les gens, moi je le ferai. Après, je te dis pas que je vais y arriver à chaque fois. Viens, c'est pour ça qu'on est là. Trouvons ce qui reste pour notre peuple. Ils avaient volé les vivres de leur... Après, je te dis pas que je vais parler à tout le monde, parce que vous êtes bah, là, vous êtes vraiment une belle communauté qui commence à bien augmenter. Et s'il y en a certains que bah, qu'il y a des affinités, que je m'entends bien avec eux, et qui sont que je vois vraiment que leur projet sur YouTube tient la route, bah je ferai vraiment des vidéos, et je vous répondrai par rapport à tout ce que moi j'ai fait pour essayer de me développer le plus rapidement possible et en même temps développer ma chaîne, gagner en abonnés. Avec la hache, tu vois qu'il tape quand même énormément, il prend pas mal d'ampleur quand tu tapes. Mais dans des lieux très réduits, je pense que tu peux vraiment galérer avec ce personnage-là. Dans la nature, les forts dévorent les faibles. Or, dans notre monde dit civilisé, c'est l'inverse. C'est contre cela que je me bats. Un autre Ersir aurait pu avoir pitié. Alors je sais pas si j'aurais dû, avant de commencer cette carrière, si j'aurais dû aller en exhibition, etc. pour m'entraîner avec l'ordinateur pour vraiment connaître tous les personnages. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Moi j'ai voulu vraiment partir directement pour, bah, pour avancer dans cette aventure. J'ai vraiment envie que cette aventure avance le plus rapidement possible. Après je te sors une vidéo sur deux, je te fais un Fort Honor, après je te fais autre chose. Mais des fois il y aura peut-être une semaine où il n'y aura pas de Fort Honor, le temps que je peux te remettre des vidéos qui peuvent te plaire. Alors c'est déjà la 7ème vidéo sur Fort Honor et je tiens à tous vous remercier parce que vous êtes tous nombreux. A chaque fois, tu vois, j'ai quasiment le même nombre de vues entre chaque vidéo Fort Honor et c'est les vidéos qui cartonnent le plus en ce moment sur ma chaîne. Et je tiens tout d'abord à tous vous remercier. D'ailleurs, je tiens également à préciser que je suis une nouvelle chaîne. C'est Cortex et c'est une chaîne de couple. Bah, c'est deux couples sur la chaîne. Ils sont tous les deux passionnés de gaming. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Tu vois qu'ils sont encore un petit peu timides, mais ils ont quelque chose qui sont bah, qui peut vraiment fonctionner. Donc n'hésite pas à aller voir leur chaîne. Franchement, bah, ils le méritent vraiment. Et je pense que d'ici quelques temps, ils pourraient peut-être faire parler d'eux. Alors lui, si à chaque fois j'utilise une attaque, il sort toujours le même cri, ça va me saouler. Enfin, chaque personnage il crie, tu vois, mais c'est bon quoi. Tu as chaque attaque que tu fais, il crie, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Un coup sur deux ou trois, tu vois, ça aurait suffi. Mais là, non, c'est à chaque attaque. Alors dans ce niveau, t'as vraiment énormément de potions. Tu vois, je suis à 9 potions sur moi. Donc, bah voilà, je regarde ce que je peux faire détruire. Là, il y avait des soldats. Mais pour le moment, je trouve que ce niveau est quand même plutôt assez simple. Or que c'est déjà le chapitre 2. Enfin, je pense qu'ils auraient dû mettre une difficulté. Là, j'ai l'impression que c'est tellement simple que je reviens au tout premier chapitre, au tout premier épisode de cette aventure sur Fort Honor. J'espère vraiment que ça va commencer à devenir un petit peu plus difficile, parce que si à chaque fois je tape que des 15 à 20 minutes la vidéo, bah c'est vraiment que c'est trop simple ou c'est moi qui me suis vraiment amélioré. Enfin là, tu vois, avec les potions, il y en a vraiment, bah je trouve qu'il y en a trop, ils auraient dû les réduire. Parce que bah je profite un petit peu trop de cet effet.
Enfin, en même temps, ils sont là, ils sont faits pour être utilisés. Mais à chaque fois, tu vois, à chaque fois que t'avances, tu passes deux maisons, t'as une nouvelle potion. Et ça passe vraiment super vite. Si tu as des conseils à me donner sur les personnages, attention, je dis bien celui qui a fait le jeu For Honor. Si tu as des conseils à me donner, comment j'aurais pu m'y prendre pour certaines choses ou pour la mission d'après, etc. Bah, n'aie pas peur à me le dire dans les commentaires, n'aie pas peur à venir me contacter, parce que bah, si tu me donnes des conseils, moi en même temps, tu vois que je me chie pas dessus en vidéo. Et j'ai pas envie de te pousser des petits cris pendant que je suis en train de jouer. Bah ça peut être bien marrant, mais on va éviter quand même. Hein. Surtout que bah tu vois que je me suis quand même bien donné sur YouTube les fois d'avant. Surtout pour le petit challenge dégustation, bah tu vois que c'était vraiment intense. D'ailleurs, on a quelques petits projets qui vont bientôt arriver. Je t'en dis pas plus parce que bah voilà, j'ai pas envie de te spoiler les futurs événements. Mais ça sera marqué sur Facebook, ça sera marqué sur. Je les mettrai un petit peu le jour même ou deux jours avant à peu près. Je mettrai les projets qui vont arriver. Au moins, tu sauras vraiment ce qui va se passer. Tu sauras vraiment à peu près de quoi ça va parler. Et c'est vraiment intéressant, tu vois, avec tous ces réseaux sociaux, qu'on peut continuer à maintenir cette communauté de vous. Alors, comme je te parlais qu'il y avait énormément de potions, tu vois, depuis tout à l'heure, je fais que de jeter des potions. Et je suis encore à 9 potions sur moi. Ces vivres sont notre survie à tous. C'est vraiment... Bah, c'est vraiment bien en fait. C'est bien sans être bien parce qu'il y en a trop, mais c'est bien parce que tu peux vraiment aller plus vite possible pour faire ta mission. Une vaste forêt recouvrait jadis la vallée de Valkenheim. C'est nous qui l'avons abattue, avant le retour des Vikings. Ce faisant, nous avons mis au jour les ruines antiques de la Grande Horde. Imaginez notre surprise. Si tu entends que j'ai un petit peu la tête dans le cul, la nuit d'avant, j'ai vraiment fait une partie, j'ai vraiment fait la blinde de game jusque 4h au matin, et ça peut s'entendre dans ma voix que je fatigue un petit peu, j'ai mes yeux qui sont en train de brûler, mais j'ai décidé quand même de me mettre à fond sur YouTube, et c'est ce que je vais faire. Donc j'hésite même à sortir des contenus beaucoup plus souvent, peut-être même faire 2 vidéos par jour. Enfin, je sais pas encore. J'ai plein de projets, en même temps j'ai envie de retrouver quelqu'un d'autre pour partager ma vie. Donc tu vois, il y a trop de trucs dans ma tête. Nous aurions tort de les sous-étudier. Les vivres n'étaient pas mon seul objectif. Je venais pour Ragnar. Après, si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe chez moi, ce qui se passe un petit peu dans ma vie, dis-toi que depuis le challenge dégustation, depuis la vidéo où tu m'as vu, où j'étais en larmes, faut le dire clairement, j'ai pleuré comme une grosse tapette, hein, mais depuis que tu m'as vu sur cette vidéo-là, je suis à 10 kilos en moins, et ça continue à chuter. Après, tu vois, l'envie, la motivation est présente et je vais pas vous décevoir. Je suis toujours présent, c'est juste que là, je commence à faire attention à ce qui se passe. Et je pense que je me suis un petit peu trop laissé aller. Et si je perds autant de poids rapidement, c'est vraiment que j'avais vraiment des kilos en trop. Et si je peux en perdre encore une quinzaine à peu près, ça serait bien. Eh bien, entre donc. Mais ne t'inquiète pas, les challenges dégustation, je serai toujours présent. Même si là, je risque de pas savoir les faire, c'est pas très grave, tu vois. C'est juste, je serai là, je les ferai quand même. Mais voilà. J'essaye juste de me reprendre en main. Alors là,
Je me souviens que j'en avais chié vraiment pour le toucher. À chaque fois, il contre. Tu vois, je fais pour le désarmer, je fais pour l'étourdir. Et c'est lui qui me repousse et c'est moi qui ai étourdi. Là, j'ai pas su une seule fois lui enlever de la vie. Et ça commence vraiment à devenir assez compliqué. Alors, je suis vraiment en position difficile. Il va falloir que je me soigne. Putain, j'ai quasiment que dalle envie. C'est un truc de malade. Je sais pas. Oh non, je suis mort. Oh non. Comment passer d'un homme viril à une voilà grosse merde qui crève aussi là facilement pour la grande horde. Alors, il va falloir que j'arrive à l'étourdir pour taper dessus. Là, ça va, tu vois, j'ai su le toucher. C'est déjà assez bien. Par contre, je suis quand même assez rapidement étourdi. Alors, je vais devoir l'esquiver un maximum pour pouvoir, à chaque fois que je suis étourdi, parce que lui, il va pas me louper. À chaque fois, ça va me faire super mal, donc il faut que je l'esquive un maximum. Enfin, déjà, juste le parer, ça serait bien. Niveau vitalité, ça fait à peu près 50-50, parce que bah, vu que je suis étourdi, lui, il va savoir me faire chuter ma vie. Tu ne vaux pas mieux que nous. Alors si tu me vois que je cours comme une tapette, c'est normal. Putain, je suis encore mort. C'est pas possible ce jeu. À chaque fois je crève comme ça, c'est voilà un truc de malade. Pourquoi j'étais là. Allez, dernière fois, si j'arrive pas, j'arrête là. Alors, on va essayer de lui enlever un maximum de vie le plus rapidement possible et surtout sans crever. Et sans trop en perdre. Surtout, il faut pas que je m'expose de trop. Malheureusement, là, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je me soigne. Mais c'est vraiment ce que je suis en train de faire, en fait. Je suis trop exposé, j'arrive pas à parer ses attaques. Et c'est vraiment ce qui pose problème. Alors, le RCR, c'est un personnage qui est quand même assez fort. Mais tu perds trop d'énergie d'un coup. Mais pourquoi je l'ai pas fait avant ça? Non mais sérieusement. Oh putain. Bah, fallait imaginer que juste avec une boule de feu, bah, une potion, t'arrives à lui niquer quasiment toute sa vie. Ça fait un petit peu long, tu vois, je pense que ils auraient peut-être dû réduire la course des chevaux. Mais bon, après, tu vois, voilà, quand t'es dans l'action, quand c'est toi qui as la manette dans les mains, bah je pense que c'est pas... ça va, tu vois, tu fais 2-3 esquisses, tu mets un petit coup de hache, tranquille, pépère. Après, voilà, tu vois, c'est beaucoup de cinématiques, c'est beaucoup de choses... bah franchement, ils ont géré tout ce qui est niveau décor. Là, tu vois, je vois l'IA bien fait, tu vois, quand ils arrivent, les mecs, tu vois quand même la qualité, elle est excellente. Franchement, c'est un jeu que je te conseille, si tu as l'occasion de le prendre, n'hésite pas à le prendre, parce que franchement, il démonte sa mère. Tu n'as plus d'issue. Ça court un petit peu beaucoup, j'espère que je vais pas courir non plus pendant 2 heures, parce que bah voilà, j'ai pas que ça à faire en montant à cheval. Mais comme je te dis, si moi qui monte dessus, je serais déjà à terre depuis longtemps et la partie serait déjà terminée. Ils auraient vraiment dû ralentir, réduire
la durée du cheval, parce que ça fait vraiment énorme. Là, pendant 2 minutes, t'es à cheval quand même, ça fait beaucoup. Tu n'es qu'un monstre. Tu oses festoyer quand les gens meurent de faim. Toi et tes guerriers, vous allez apprendre à vivre comme nous. Vous nourrirez les corbeaux. Jeune imbécile! Autant me demander de devenir paysan! Nous sommes des Vikings. Donc c'est nous. Valhalla. C'est toi le second. Rejoignez-nous. Nous sommes des vôtres. Il faisait plutôt peine à voir, mais c'était un début. Putain, c'est un truc de malade ces cinématiques. À chaque fois, je suis à fond dedans. C'est la fin de cette vidéo, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, c'était Chéricard.